Me dis bonjour tout le monde déjà. Nous gagnons là près d'une dizaine de personnalités, ministres, directeurs généraux qui là avec nous. C'est un événement. C'est presque notoirement connu que secrétaire d'État par en forme, en forme, en forme. Mais c'est peut-être ça, nous gagnons ministres, nous gagnons directeur général. Donc, sur ce, map gagne un pile honneur pour, pendant que déjà fin dit, tout ministre, tout directeur général, bienvenue. Pour moi, recevoir le ministre Culture et Communication, M. Pradel Henriques, pour placer cérémonie ça dans le contexte. Monsieur le ministre, bonjour. C'est un honneur pour nous-mêmes, dans le bureau secrétaire d'État, pour nous recevoir, ni jeudi, ni tout le jour, ou passé, ou non. Merci encore. Merci, SE, secrétaire d'État communication. Et nous, alors, en créole, on a un proverbe qui dit bric allez, bric tourner. Bon, si nous songeons pendant Covid là, nous étions là régulièrement et puis subitement, nous étions stoppés. Et bon, voilà, nous retournons encore aujourd'hui hein, et nous disons SE merci en pile. Même Jean nous dit tout staff, bureau communication, bureau secrétaire d'État, nous dit merci, toute administration, tout journaliste, tout cadre, toute sécurité. Nous dit tout la presse qui l'a merci. Nous connaissons depuis quelque temps, nous mobilisons sérieusement, mais c'est pour les bonnes choses. Nous remercier ministres, collègues qui l'a, ministre justice là. Ministre chargé citoyenneté, nous sommes gagné trois ministres, le troisième c'est moi, directeur secrétaire d'État Eddie Jackson, nous avons plusieurs directeurs généraux qui sont là, et puis nous avons des cadres, tout. Donc, nous n'avons pas de nom, nous avons même leur venir pour parler de eux et de ça, pour nous faire dans le cadre, ça nous vient régler matin. Hier, notre primature, c'était 21 décembre, Premier ministre avec ministre. Nous t'ai traité sujet qui relève fête de fin d'année. C'était ça le sujet à tel, pas l'autre bagaille. Sauf que l'on a dit fête de fin d'année, l'y connecter avec un paquet de l'autre défis pour relever, notamment défis sécuritaires, défis sanitaires, et puis question et propriété, nettoyage. Parce que la CAI, nous n'avons fait fête, n'ont pas fait fête en malpropriété. Donc il y a un programme qui est lancé à la fin de cette année et qui permet que mairies, institutions techniques qui concernent yo nettoyer la rue pour la rue capable de l'autre petite figure, l'autre figure qui est plus ou moins propre. Défi sanitaire, là, faut nous rappeler où. Puisque nous avons l'occasion de la presse là et nous en direct en pile côté, pour nous rappeler toute population haïtienne qui est sous terre et même ça Claude Bo, pour protéger tête yo, parce que même si nous avons fête de fin d'année, nous avons tendance à fêter, maladie que le COVID-19 là, il existait toujours. Donc, mesures barrières, après, nous avons un petit pentade pour nous coller une sous l'autre, nous avons un petit masque, nous, et nous prenons moins, nous faisons moins négligence que possible, parce que une expérience nous fait, nous sommes passés été, hein, après été, hein, pas de rien vraiment explosion, mais une tendance qu'on a nous peur que avec et fête ça, hein, vers en janvier, après balle pour tambour, balou, par contre, si nous songe expression ça. Parce qu'il y a un pile balle justement dans le pays, hein, c'est du jamais vu. Hier soir, d'ailleurs, tu as un Bernard Boy, où il y a 5-6 balles par nuit, c'est un coup d'adjo, Haïti, son exception par rapport à des gars qui ont fait dans le monde. Côté au Canada, et en pile pays, toute fête, tout festival bloqué jusqu'en 2022. Et Haïti, en hiver, a fêté correctement. Donc c'est une chance. Nous dit bon Dieu merci, nous dit loi ou merci, selon religion y est, mais en même temps, pas oublier, il faut se protéger. Alors, dernier défi, c'est le défi sécuritaire. Et tout travail à la police, comment c'est fait, toute opération l'a fait, pour que kidnapping diminue, sinon disparaître, parce que
il n'est pas capable de vivre dans la société avec kidnapping. On n'a pas inventé le kidnapping, donc il n'est pas normal que l'implanté tête li en Haïti. Tant que c'est un bagage normal, tant que tout le monde prend plaisir là-dedans. Alors, je vous dis, nous pour un dossier qui est extrêmement important. Il est même plus important que tout ce qu'on souhaite dit à l'heure. C'est la question de l'identification, la question de l'identité de l'Haïtien. Ou gen 12 millions, ou gen 13 millions, ou gen 11 millions, donc en attendant un chiffre exact en termes de statistiques, Haïtiens qui depuis 200 ans y a vivre, y a pas gen conscience que obligé gon pièce d'identité. Ouais, employer terme non terme vulgaire, pièce d'identité. Dit que en principe dans tout pays depuis petit monde en fait, il fait la con pièce d'identité, même gens le fait avec une empreinte, comprenez? Donc gon bonne bagaille qui fait que moun nan ou identifié immédiatement. Nous non pays côté moun yo fait quel que soit dans coin pays, hein, même s'il fait là dans l'hôpital canapé vert ou cri soit etc., nous pas gen sens, nous pas gen souci a. Li vin tout non phénomène culturel extrêmement grave que l'haïtien ne sait même pas que gon urgence de s'identifier. Maintenant, depuis l'arrivée du président Jovenel et depuis récemment d'ailleurs, en novembre dernier, gen date précise, gagnent ou après plusieurs conseils des ministres, plusieurs conseils de gouvernement, gagnent ou décision qui prend côté et nous pas qu'à faire comme si balat est normal. Que un gouvernement arrive, tombe et puis ou quitte tout haïtien même gens pas gon monde qui gon pièce dans mel. Alors gon tentative qui fait qui permettent que à travers ONI et qui là comme institution et qui coiffé par ministère justice que tout haïtien joigne gon chiffre, hein, nous viser un chiffre que après au bral baou que haïtien yo capable gagner gon procédure entrer là-dedans qui permettent que yo gagne pièce d'identité et une fois pour toutes. Et c'est ainsi que nous, depuis quelque temps, au cœur de tout ça, il y a un Office national d'identification qui c'est ONI. D'Acadie Jodian, c'est eux-mêmes qui a l'honneur. Même j'aime des ministres de justice, là, Jodian, c'est lui qui a l'honneur. Et il y a un engagement, il est obligé de prendre, à partir d'une décision politique, pour bailler le peuple là, une pièce d'identité, pour que nous ayons un chiffre maximum que tout à l'heure pour identifier. Là, il y a tout dispositif à avoir là, pour poser question, vous voulez. Pour connaître comment haïtien pral faire pour gagner pièce ça une fois pour toutes. Gagner deux bagages nous pour nous simplifier débat, gagner d'abord un premier principe, c'est le principe que ONI gagne en mani et des cartes qu'il te fait déjà, des millions de cartes, hein. Donc c'est principe 1, il gagne des millions de cartes que il te fait, il baille un chiffre là-dedans, il dit il baille 2 millions, qu'on gagne moyennement 1,2 million qui retenant belle. Et c'est comme si nous dit on y jodi il pas normal pour 4 ça ou nan men on, hein, c'est comme ça en réunion nous dit on 4 ça ou pas supposé nan men ou pas pour ou, parce qu'on fait pour des citoyens qui pas vinn pran yo. Il faut que nous gagnions un rapport de proximité à moun sur te fait 4 yo qui ba tête yo tout supplice nous connaît pas facile d'ailleurs pour ba service public en Haïti moun nan fait 4 li et 4 la pas nan men. Donc nous jodi là pour nous faire deux bagages, d'abord pour nous lancer ça relé une fois pour toute une campagne nationale d'identification. Mais en tant qu'on parle à identifier deux bagailles tout de suite à faire, c'est bail 4 qui part pour nous. Et c'est ensuite inviter Mounio Vin faire de nouveaux 4. Donc, dans ce sens-là, nous avons plusieurs intervenants dans le matin. Nous avons le ministre qui coordonne tout le programme, ça, c'est le ministre Guy François, qui est le 4 par 4. Bah, je me compte pour qui ça. Et puis, il y a le ministre de Justice là, qui est là. Il y a le directeur d'archive nationale là, qui est là. Il y a le directeur ONIAN qui est là. Alors, il y a 5 DG. Là et puis alors même sous elle il y a une opacité où elle commence à bouder parce qu'elle n'a pas cité non et il y a là il a parlé quand même il y a des ministères culture qui l'a tout il y a des cadres n'a posé question nouvelle sous débat pour faire jeudi hein, et c'est pour un débat lié il doit déboucher concrètement un sur une journée nationale de livraison. Ça veut dire que on y a bien un jour franc pour le remettre, on joue frère dans le domaine droit, elle pas dit même bagaille, mais on joue, la bon joue, nan mel, pour bailler peuple la 4 qui nan mel yo, ok? Et donc là, la dégage, pour mettre Jean-Jacques, pour le remettre 4 là, et 4 qui nan mel qui pas pour yo. Et puis la bon l'autre journée de livraison, d'enregistrement cette fois, de 4 qui permettent population. Parce que nous, une expérience, nous faisons pile monde en Haïti, jodi, qui t'a remis vin pour 4 jours, qui par contre ça pour faire. Donc, nous avons là pour répondre à toutes questions. Merci beaucoup, ministre Guy François. Merci, collègues, chers collègues ministres,
secrétaire d'État, directeur général, membre de la presse, tout le monde qui a attendu, tout le monde qui a gardé nous là. Moi-même, c'est ministre Guy François, ministre délégué en charge de la citoyenneté et patriotisme. En même temps, c'est moi-même qui a fait coordination et identification sur tout le territoire. Le 25 novembre 2020, le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, accompagné de Premier ministre, son excellent Joseph Jout, est allé dans le local ONI pour faire le lancement de campagne d'identification. Et le point de presse que le président de la République a fait, il a parlé de différents sujets. Le premier bagage que le président a parlé, c'était en question d'identification. Nous avons un problème grave au niveau de l'identité. Nous avons environ 3 millions d'Haïtiens, pour ne pas dire plus, qui n'ont pas d'identité dans le pays. Ce qui veut dire qu'il y a environ 25% de la population qui n'a pas de baptiste, qui n'a pas de carte d'identification. Donc, qui veut dire sous 100 personnes ou 25 personnes qui n'ont pas aucune pièce d'identité. Donc, le président de la République, le premier ministre, le gouvernement, nous avons jugé que ça est inacceptable en 2020 pour nous avoir 25% de la population qui n'a pas d'identité. Qui ça a fait pour nous arriver sous 3 millions de personnes? Le premier bagage là, qui est très important, c'est l'aspect acte de naissance. Nous avons 3 millions de personnes qui n'ont pas de baptiste. Qui ça pour nous faire pour ça? Premier bagage là, première instruction que le président de la République a été passé, il faut avoir 3 millions de formulaires de naissance qui fait au niveau presse nationale et qui commencent à distribuer par le ministère de la Justice. 7500 registres au niveau, parce que chaque fois qu'ils ont enregistré, il faut mettre l'enregistre. Il y a 7500 registres qui planifient pour bailler à ministère de la Justice. Deuxièmement, il faut renforcer le service officier d'État civil avec Clercio. Pour le moment, c'est que le ministre de la Justice a parlé de détails sur combien officier d'État civil, combien clercs qui gagnent au niveau du ministère de la Justice et combien clercs qui prend pour renforcer les problèmes d'identification, surtout dans la section communale que vous avez confronté. Troisièmement, nous connaissons au niveau de l'ONU, il y a un problème logistique. C'est peut-être ça, président de la République. Nous avons 40 motos, 20 véhicules et 100 génératrices pour venir en aide avec l'ONU pour permettre de faire mobile dans la section communale. Parce que, pour moi, dis-nous, tout travail qui est fait là, mais la structure qui te mette sous pied pour faire étude côté Mounsayo, pas une pièce. Nous sommes well, dans la zone, dans le département Grandance, dans le centre, dans la Tibonite. Et gen l'autre département, tout département yo gen, mais département sa yo surtout dans sud d'où gen en pile nan moun sa yo ki pa gen baptiste. Donc m'pense que ni ONI ni archive ni ministre justice ta pral parler de détails sa yo. Et qui ça que coordination te fait pour aller pour venir en aide avec moun sa yo? Premièrement, équipe coordination nous mette sous pied 4 différents task force. Premier task force ça c'est au niveau statistique. Parce que nous parlons de lever, nous disons qu'il y a 3 millions de personnes qui n'ont pas une identité. Donc nous travaillons avec l'entité comme IHSI, nous travaillons avec l'archive, le ministère de la Justice qui va nous donner ça. Parce que et nous identifions dans quelle zone que nous avons un problème d'identification. Deuxième task force, ça, c'est task force coordination. Parce que faut nous arriver sur le monde. Donc nous décidons de mettre sous pied un mobile. Le mobile là, nous avons le ministère de la Justice, qui a officier d'État civil, qui a clerc, qui a archive et qui a ONI là-dedans. Et en même temps, tout, nous avons l'autre entité comme la Poste, nous avons FENACA, nous avons différentes entités, MSPP, PNH, nous avons dit toutes entités au niveau gouvernement protection civile. Troisième task force, qui c'est lui-même nous lancé aujourd'hui, c'est task force communication que le ministère de la Culture avec communication pour le diriger, pour faire sensibilisation avec éducation civique sous importance d'identification nous dans le pays. Parce que, j'aimerais dire, il est inacceptable pour nous 3 millions de personnes qui marchent sans pièce d'identité. Donc, il est impératif pour tout le monde qui a une pièce d'identité dans le pays. C'est peut-être ça, le président a dit, affaires d'identité, c'est affaires tout le monde.
et c'est même Jean l'était dit tout, yon haïtien, yon baptiste. Pas gen nous pas ka di 75% population gen baptiste et puis 25% pas gen. Ça l'inacceptable. Faut tout le monde c'est haïtien, tout le monde gen droit avec baptiste. Kounye quatrième task force que nous mettez sous pied, c'est pour haïtien qui vive à l'étranger yo. Côté nous gagnons ministère affaires étrangères avec diaspora. En novembre 2019, président est sorti en arrêté pour ti moun qui gen 2 ans yo, moun qui gen 2 ans et plus yo, yo pas besoin aller dans affaires jugement. Donc tout moun qui konn al prend service nan consulat nan ambassade yo, moun sa yo pa gen affaire voyer papier en Haïti encore, surtout moun qui pa prend nationalité haïtienne avec jeunes qui veut prendre nationalité haïtienne. Donc ça c'était un résumé de qui ça n'a fait au niveau de coordination. Mal passer la parole avec collègue moi, ministre justice là, maître Rockefeller Vincent. Merci. Chers collègues du gouvernement, mesdames, messieurs les travailleurs de la presse, chers concitoyens, chères concitoyennes. Le droit à l'identité fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine. Il s'agit donc d'un droit de la première génération, des droits de l'homme, inaliénable, inhérent et imprescriptible à l'être humain. Il est consacré par la Constitution en vigueur et reconnu par différents instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par Haïti. Et pourtant, force est malheureusement de constater qu'il existe aujourd'hui encore plus de 2 millions de compatriotes haïtiens sans acte de naissance. Fort de ce constat, l'État haïtien entend combattre sans relâche ce fléau en mettant sur pied une task force sur l'état civil et l'identification nationale. En effet, pour ce qui concerne le ministère de la Justice et la Sécurité publique, il s'agit pour les officiers de l'état civil et clercs des différentes juridictions du pays de se déplacer vers la population dans les différentes sections communales afin d'enregistrer sur place les naissances afin de faciliter la réalisation de ce droit fondamental. Subséquemment, en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, par voie de circulaire, j'ai passé des instructions claires et fermes aux commissaires du gouvernement près des tribunaux de première instance à travers les 18 juridictions du pays afin de mobiliser sur place les officiers de l'état civil et clercs pour accompagner les équipes mobiles de l'Office national d'identification dans les différentes sections communales pour doter la population concernée d'actes de naissance. L'ONI, de son côté, se charge de permettre à tous les citoyens d'obtenir la carte d'identification nationale. Par ailleurs, les commissaires du gouvernement ont été instruits de s'assurer du dépôt des registres dans le délai légal et de vérifier, d'inspecter régulièrement les registres comme l'exige la loi et de me soumettre des rapports circonstanciés en temps et lieu. Les officiers d'état civil, ils ont reçu instruction pour identifier et nous soumettre la liste des clercs bénévoles, travaillant sous leur autorité afin qu'ils soient engagés sur le terrain dans les sections communales. Le président de la Fédération des Kazakh d'Haïti, FENAKA, nous a aussi transmis une liste de jeunes universitaires et écoliers avec le bac en poche qui sont déjà des habitants des sections communales pour être engagés à titre de clerc additionnel, aux côtés des clercs nommés et des clercs jadis bénévoles pour enregistrer encore plus de naissances. Je profite de l'occasion pour solliciter publiquement l'appui financier de la primature afin de payer ces 572 clercs supplémentaires, car le budget du MJSP ne lui permet pas de les payer pour la période des 60 jours. Une correspondance formelle vient d'être adressée en ce sens au premier ministre Jout. Faut-il encore rappeler que c'est le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, qui a exigé que chaque section communale
du pays soit au moins doté d'un clerc. Et c'est pourquoi, bien avant même d'obtenir cette subvention de la primature, pour payer les 572 clercs supplémentaires, nous avons passé des instructions claires aux officiers d'état civil de déployer sur le terrain des clercs bénévoles de leurs bureaux respectifs et nous avons clairement demandé au président de la FENACA, M. Paul André, de mobiliser sur le terrain, en accord avec les officiers d'état civil et les commissaires du gouvernement, les clercs additionnels, triés parmi la jeunesse éduquée qu'il a proposée au ministère. Chers compatriotes, depuis le lancement de cette task force, les officiers d'état civil et clercs ont déjà enregistré plus de 55 000 déclarations de naissance dans les différentes sections communales où ils sont déployés. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a reçu 1140 registres et environ 500 000 formulaires de la part des presses nationales. Au niveau du ministère, nous n'avons plus aucun registre et formulaire dans les coffres. Tout a été remis au commissaire du gouvernement des 18 juridictions afin qu'ils les transmettent à leur tour aux officiers de l'état civil de leurs juridictions respectives. Ce qui a été fait, car nous avons reçu les rapports de livraison photos à l'appui. Entre autres choses, nous avons mis en relation les coordonnateurs départementaux de l'ONI en contact direct sur le terrain avec les commissaires du gouvernement, de sorte qu'ils aident à faire face aux difficultés de dernière minute rencontrées sur le terrain, sans être obligés de remonter vers les services centraux du ministère. Cela a pour effet bénéfique de réduire la bureaucratie. Mon directeur de cabinet et Mme Dorval de l'ONI travaillent en commun accord sur cet aspect. Un substitut commissaire du gouvernement a été désigné dans chaque juridiction pour assurer le suivi avec les officiers d'état civil pendant la durée de cette opération. Le directeur des affaires judiciaires les a reçus au ministère hier pour une importante réunion de travail et leur passer des instructions. J'ai reçu de multiples dénonciations faisant état de cas d'officiers d'état civil et de clercs qui exigeraient de l'argent aux comparants avant d'enregistrer les déclarations de naissance. Par voie de conséquence, j'ai enjoint, par voie de circulaire, les commissaires du gouvernement d'enquêter urgemment sur la véracité et le fondement de ces allégations et de me faire parvenir un rapport circonstancié sur cette question avec des éléments de preuve à l'appui, afin de pouvoir sévir, le cas échéant à la dernière rigueur, contre tout officier ou clerc qui serait impliqué et ou se serait fait complice de telles exactions contre la population. Je le dis haut et fort, je ne tolère aucun cas de corruption. D'ailleurs, pour les cas dûment documentés, des officiers et clercs ont été blâmés et sanctionnés. Certains autres ont été purement et simplement révoqués, comme c'est le cas pour l'officier d'état civil de Bénin. Je demande aux presses nationales de nous fournir encore plus de formulaires et de registres. Je renouvelle ma demande au Premier ministre de nous aider pour payer les 572 clercs supplémentaires et en tant que ministre de tutelle de l'ONI, de redoubler d'efforts sur le terrain en vue de livrer les cartes déjà réalisées aux citoyens pour leur permettre d'entrer en possession de la dite carte. Merci. Monsieur Bertrand, doyen d'âge. Monsieur le ministre, messieurs les directeurs généraux, collègues directeurs généraux, les cadres du ministère, les amis de la presse, jeudi, nous songeons à la conférence de presse président Téfer Nalonian, me dit c'est un moment historique. Jeudi encore, c'est même moment historique, ça qu'a répété là. Nous prenons l'archive nationale dans une situation déplorable. Et ça te permet que nous ayons suffisamment de données
pour nous dire que bagaille ça faut le changer. Nous te dit faut le changer, mais nous ne pouvons pas comprendre qui j'en bras le fait. Et puis, au fur et à mesure, bah, on va défiler devant nous. Nous dit définitivement, il y a tellement de problèmes au niveau de l'état civil haïtien. Il n'y a rien à faire. Son gros combite qui fait pour problème n'a résoudre. Je dis, ah, nous sommes là, voir que c'est combite là qu'on fait là. Et pour nous te montrer l'importance combite, ça a montré que le travail ça a été qu'à fait. Bien que nous-mêmes nous sommes en aval du système de l'état civil, puisque nous dépendons du ministère de la Justice à ce moment-là, nous sommes en aval comme dépositaire, mais nous avons une politique permanente d'incitation à toutes les institutions en amont du système pour que, parce que l'amélioration, ce n'est pas dans l'archive la vie faite, c'est dans le système, c'est dans le tête système que vous le faites. Je dis, je suis content. Moi, nous n'a pas résolu le problème. C'est un problème national lié et son problème que premier président pays Jacques Dessalines depuis 1805 créé institution pour que chaque haïtien gagne un baptisté. Il te prend disposition pour ça. Malheureusement, au cours des années, nous pas suivre bagayo, nous avons une maladie ici, nous pas qu'on fait suivi. Nous pas la continuité de l'État. Nous pas son maladie liée pour nous ici, nous pas capable faire continuité de l'État. Et bien dans le secteur ça justement, nous décider cette fois-ci faire continuité. Là. Pour nous faire ça, ça nous fait. Nous avons commencé par nous font un projet pilote. Nous étions inventons un projet pilote. Nous pas montrer à l'État, à l'autorité de l'État que nous capables d'enregistrer 3 millions de monde. Nous faisons un projet avec propre cette archive nationale, nous parlons mentalement des COB à de l'autre côté. Et nous faisons un projet à ce que Mabriol nous a fait. Nous connaissons le président Martel, il était monté en roi. Il était tout à fait surpris de le tourner. Il connaît nous parlons de route, nous parlons de l'eau, nous parlons de toute l'électricité. Il dit, premier bagage, nous demandons, président, nous parlons de Baptiste. Ces déclarations, ça m'a capté, me dit, bon. Nous allons montrer que, nous allons faire un exemple, que montrer que si il y a une bonne volonté, si volonté politique là, et je dis, je me sens, si politique n'a pas là seulement, non, volonté politique là, raide. Et nous ne pouvons pas rater l'occasion ça pour nous résoudre le problème ça, qui est un problème national. Nous faisons expérience à Mabriol. Bon, nous ne pouvons pas suivre nous, ne pouvons pas décourager, nous répéter l'expérience là. Akaye, cabaret, ok? Nous répétons l'expérience là encore. Dans l'Antibonite, nous sommes le président allé, l'Antibonite, zone ça pas de jambes gain de l'eau depuis X temps. Et puis c'est lui-même qui a fait pour la première fois de l'eau dans la zone. Non? Nous avons accompagné le président le ça. Et puis moun qui dans la zone, Lagrange, Saint-Marc, Lagrange, Lubé, Bocozel, Balagué, Chevreau, Poirier, mélanger. Ça, c'est pour la Tibonite. Ensuite, dans la Grandance, Corail, Duquillon, Champy, dans l'Ocaille, des efforts, la Savane, de Mapou, nous répétons même expérience de faire Mabriol là. Mais toujours est-il que nous toujours gagné Oni derrière nous. Nous ne pouvons pas faire pas sans Oni. Côté de Baye Baptiste, Oni file 4 là. Donc, moun sa yo, tout côté sa yo, nous sommes cités là, dans le sud-est. Dans le sud, dans le grand dans l'ouest, dans l'Antibonite, moun sa yo, l'homme devine avec données yo, nous tout mettez dans la base de données si j'ai là. Je dis à moun sa yo, yo met perdu Baptiste yo, Jean Ovlé, Cyclone met passé Jean Ovlé, Dufé met passé, Deschoukaï met passé Jean Ovlé, tout moun sa yo, archive nationale en mesure de bayo et archive yo sur le champ. Et c'est ça nous va dire là, Berlance par exemple, Mabriol, quand nous sommes intervenus pour la première fois, nous disposons là de. Nous disposons là de 10 680 excellents archives que nous allons distribuer par eux gratis. Monsieur le Président, te mandé. Moi, pote chaque côté, on pote au moins un exemplaire dans l'excellent archive que nous allons bailler gratis. Là, c'est Berlance.
Ça, c'est les CAI avec section communale environnante, la ville de CAI. Ça, c'est Corail, en Gredence. Et ça, c'est Akaye, Cabaret, l'hélice avec section communale qui entoure. En tout, nous avons gagné là pour nous distribuer plus de 43 000 extérieurs. Nous avons préparé là, et à partir, après les vacances Noël, là, à partir du 26 décembre, nous allons faire coordination avec FENACA, avec AZEC, avec Officier d'État civil, avec CLEC, avec le ministère de la Justice, avec ONI, pour que nous distribuions les archives. Donc nous demandons aux gens qui sont dans la zone Mabriol, d'Infort, Okaï, La Savane, Demapou, Corail, Duquillon, Champy, Akaye, Delis, Fond-Baptiste, Lagrange, Lubin, Bocozel, Balagué, Chevreau, Poirier, Mélanger, tout le monde sait que tu as donc, ce sont j'ai été venu faire Baptiste, là, nous devons mais tout le monde sait, etc., qui vient parler, nous disons, préparez-vous, nous n'avons pas annoncé qu'il y a la privée, et puis, vous êtes sur place, venu avec, sous gain, à nous te barre, l'on devine faire pour vous, venu avec, sous gain, quatre identifications, de faire pour vous, ça, venu avec, mais si j'ai un perdu ni un ni l'autre, tout son, vous devez faire, eh bien, toute pièce sera pas classée par ordre alphabétique, n'a pas de possibilité, même si vous avez perdu tout papier, pour nous boire extrait. Évidemment, dans le cas ça, toujours fait. Dans le monde, on vient par famille. Et si une enfant a perdu Baptiste, Baptiste est toujours là. Marché, et puis avec Kazek, qui toujours assiste nous, qui a aidé nous à identifier les gens pour que les gens ne prennent pas Baptiste l'autre monde. Tout le monde sait, on dit, on va rendez-vous à partir du 26 décembre, on va faire un calendrier, on va faire ça avec Task Force Coordination pour nous publier. On va voir tout à l'avance, liste de nos gens. Bah, Kazek là, ok, pour que afficher, pour que tout le monde soit connu à l'avance, que nous avons dans la zone, non, pour préparer, pour une prêter les archives gratis. Bon, nous avons dit tout, si nous pouvons faire arrangement avec le ministère de la Justice, avec officier des archives avec CLEC, dans l'occasion, ça que nous pouvons distribuer les archives gratis. Là. Si tu as quelqu'un dans la zone non, qui peut faire Baptiste du tout, nous avons toujours la possibilité de nous venir à Gorgis pour nous garder tout servir de nous et permettre tout le monde d'avoir une carte d'identification nationale. Merci beaucoup. Ok. Mounio, qu'on a dit, je dis Baptiste. Baptiste, c'est ça officiel. L'autre, mon en fait, il y a un officiel ou bail déclaration, puis bon papier. Il y a ça en première expédition. C'est lui qui est Baptiste. Mais Baptiste, ça que vous avez il a transcrit dans deux registres. La loi fait obligation à l'officier pour le transcrire dans deux registres. Et c'est un registre que le ministère de la Justice voyait dans l'archive nationale. Avec le registre, nous constituons une base de données automatique. Parce que l'objectif du programme, c'est non seulement chaque Haïtien ou Baptiste, mais chaque Haïtien a accès à l'archive instantanément. C'est ça le programme. Et nous travaillons sur lui. Ça me dit à la Kounia, nous sommes capables de faire Kounia depuis acte de naissance ou dans base de données. Quand on vient, on doit faire payer bon numéro, je t'attends. Et ça n'a pas fait Kounia, objectif programme de Tali. Moi, content, je dis, on voit que vraiment, un gouvernement qui prend en considération un bagage qui est d'importance nationale, que pour tout Haïtien, c'est identifié, parce que tout on fait politique pour le monde. Soit on fait politique pour le monde, ou pas considérer le monde, et la politique, on fait. C'est où qu'on soit fait, ou pas qu'on soit fait. Le monde est important, et bien, le monde est important, côté le fait là, ou prendre en considération, ou noter, ou identifier, ou qu'on fait un paquet de l'autre bagaille avec lui. On peut faire programme éducation, on peut faire programme santé, on peut faire programme logement, il faut qu'on ait combien de monde, côté le monde, il faut qu'on ait. Autrement, c'est le coup d'épée dans l'eau qu'on va faire. Je dis à moi que qu'on tourne en décisif. Le gouvernement prend une décision forte, on ne peut pas faire un café bac. Donc tout le monde qui est là, nous prend un engagement pour que nous permettre que le bagage soit réalisé dans le pays. Merci beaucoup. Bonjour, je salue le ministre, merci. DG Généraux. Et l'autre membre. Et institution qui là avec la presse m'a salué la presse et m'a dit la presse merci d'abord pour votre présence nous parce que n'a porté communication
très important à la population. On est engagé pour lui faire et pour lui faire une carte d'identification nationale là à tout citoyen. C'est objectif ça que j'ai ben moi pour tout citoyen haïtien capable depuis à 18 ans pour avoir une carte d'identification nationale. Cependant, nous gagnons dans la constitution que ou besoin acte de naissance pour faire carte là, ou besoin un excès d'archives ou bien un certificat de baptême légalisé. Donc avec objectif ça, moi encadré avec task force là qui porter pour moi et un support, un appui pour ONI qui va permettre état civil yo sous place avec ONI, lui permettre avec excès d'archives et protection civile nous gain support de plusieurs institutions qui a ba nous accès pour nous capable faciliter service que ONI a bail là. Dans ce cas, nous commençons un programme depuis plus de un an, ça va faire un an et demi depuis nous commencer que n'a fait identification nationale là, n'a fait carte d'identification nationale là pour et citoyens depuis que un an et demi nous bail 3 600 000 plus de 3 600 000 cartes enregistrement qui déjà fait. Quand ça y est imprimé même jour, nous déjà imprimé carte yo, nous livré yo dans quatre coins pays. Ya. Donc et dans toute commune yo, nous gagne carte qui chita capitaine citoyen. Donc avec objectif là, nous déjà bail 2.2 millions cartes, peut-être 2.3 millions qu'on y a et pendant ce moment-là. Donc nous agressivement à porter service là dans chaque commune et comme le ministre a dit, nous en cas de qu'on y a avec problème logistique que nous te gagne yo, qu'on y a nous gagne énergie pour aller dans section communale yo, c'est ça nous fait. Nous aller à bail service, nous gagne transportation pour nous aller là. Donc, quand nous arrivons là, pour un problème que les gens n'ont pas gagné acte de naissance. Donc, nous encadrons avec l'État civil pour réaliser le problème. Ça. Donc, avec l'idée pour nous remettre carte, parce que nous avons 2.2-2.3 millions de cartes. Ça veut dire que nous avons environ 1 million de cartes qui nous même, qui peut remettre à citoyens. Citoyens n'ont pas vu prendre carte là. Ou bien là, ils ont vu une difficulté que peut-être. Quand là, il n'y a pas de cas localisé. Donc, nous mettons une série de mesures en place et nous allons lancer la campagne et journée de livraison. Hein. Nous choisissons la date 26-27, tout de suite après Noël, là, pour nous, dans tous les quatre coins du pays, employer ONI au bal engagé pour remettre la carte. Donc, c'est deux journées de livraison que nous avons fait le 26 avec le 27. Dans quatre coins pays, nous allons faire ça. C'est pour nous réaliser que faut que nous fassions une campagne de communication. Donc, nous mettons en place un SMS. Nous avons un SMS système que nous commençons depuis samedi. Nous commençons à envoyer des messages dans une phase pilote pour nous assurer que les citoyens recevront les textes là et puis sont capables d'aller récupérer. Qui ça texte là dit? Il seulement dit où tu as fait quand toi, al récupérer le côté où tu as fait là. Maintenant qui boîte, maintenant qui paquet dans boîte là, quand là, qui facilite employé à joindre, localiser le plus vite pour vous, pour nous remettre au quand là. Donc, très bientôt, à travers tout le pays, tout le monde qui est enregistré, qui peut rejoindre quand là, vous pouvez joindre mes chats sous téléphone yo, pour vous récupérer quand là. Mais pas oublier, là, nous allons, quand là, son quand fait gratis, ou t'es enregistré, nous pas demander au robe. Ou t'es venu chercher, nous pas supposé vendre comme tout. C'est institution, tout ça nous fait, c'est institution nous fait gratis. Parce que un petit problème de yoa de monde qui a demandé une série de montants pour yon bail service là. Donc, assurer que c'est pas un employé ONI s'il a demandé ça parce qu'il est supposé connaître que le service est gratis. Donc, m'a demandé que nous restions vigilants avec le problème ça yo. Et puis, pour nous pas frustrer, si que nous arrivons tout, nous demandons mes cartes là. Et puis, l'employé a dit, ah, on a des difficultés pour localiser, parce que nous-mêmes, tout, nous mettons un 8822, un short code number, un call center en place. À part de SMS, là, nous avons une facilité que tu as pour bail doléance là. Donc, vous pouvez remettre doléance physiquement à l'employé, ou bien vous pouvez relayer 8822, à côté opérateur après pour nous, pour le bail ou information sur place. Qui côté quand ça peut être ou bien est-ce que c'est un problème dans vérification que vous bloquez dans le système là pour dire qui ça pour faire pour récupérer quand là qui l'a imprimé pour faire.
Donc, tout service que nous avons mis en place, toute stratégie que nous avons mis en place, c'est parce que au cours du projet, nous avons privé une série de difficultés pour nous bailler service là. Et le but, nous, c'est pour nous bailler plus bon service que possible dans tout coin pays. C'est ça qui fait que nous organisons une série de mobiles. Donc, en pile citoyen, rien même mobile là, parce que en pile fois, il y a une carte là dans demain, parce que le mobile là entré, il vient chaque soirée. Et chaque matin, il sorti, il sorti à quatre là. Mais deux fois par semaine, nous livrons dans toute commune à travers le pays. Donc, nous demandons sous 8 jours pour aller dans le centre côté fait quatre là, pour aller récupérer quatre là, parce que et deux fois par semaine, nous voyons quatre dans toute commune, dans le sud, dans le grand nord, grand sud, sud-est, tout côté. Donc, c'est pour nous faciliter la population à joindre quatre là dans 8 jours, mais pas décourager si vous n'êtes pas dans 8 jours là, ou pas qu'on rejoigne, juste les lignes d'oléance là, pour nous remettre les. Donc, nous parler de SMS là, nous parler de combien de cotes que moi j'ai gagné pour me bailler, quand le ministre dit, cotes là pas pour moi, c'est pour nous lier, nous besoin remettre la population en cotes. Ma demandé la population en tout en même temps, si qu'on pas gagné acte de naissance là pour venir côté ONI, parce que bien sûr, nous avons un clerc état civil avec nous, qui a bâti acte de naissance en côté, enregistré avec nous tout de suite, et nous avons remettre au cotes là dans tout le bref délai que possible. Je ne sais pas si je vais couvrir tout point, ou bien que peut-être vous pouvez déjà répondre à une question que vous avez demandé. Je vais passer la parole avec la presse nationale et puis na parler de questions. Ok, merci. Oui, merci. Pas de problème, Guy. Personnalité que je parle là, c'est Jude Jacques Elibert, directeur général ONI. Après, c'est Ronald Saint-Jean, presse nationale. Bonsoir, collègues, journalistes. Bonjour, ministre. Culture et communication. Bonjour, deux ministres. Justice. Trois. Qui est-ce, toi? Donc, on est justice. Et Guy, tu dis ça? Non, me dis l'avant. C'est ministre de tutelle, moi. Ministre nationalité. Et ministre François, bonjour, toi, secrétaire d'État. Et m'a salué tout collègue directeur général. Donc, parce que nous avons mis un nom doyen, mon co-doyen, c'est le directeur général de l'archive là. Frem Bertrand. Je viens là par rapport à un engagement solennel. Chef d'État a été pris en fin mois de novembre. Président Jovenel Moïse. Et moi-même, formule, métaphore et DG Bertrand utilisé là. Les mêmes sont dans les pointes alliées, dans la locomotive qui mettait en marche là. Malheureusement, presse nationale lui-même, c'est lui qui est au début. Si presse nationale n'a pas fait travailler, eh tout le système là a bloqué. C'est pour ça, depuis, je vais présenter un rapport map très simple. Présenter un bilan de travail, activité qu'on fait. Eh bien, nous déjà bail 500 000 formulaires qui ont déclaration père, déclaration mère. Et dans 500 000 formulaires, là, nous livrons déjà à ministère de la Justice 330 000 formulaires père, déclaration, et 170 000 formulaires déclaration mère, avec dit papa et maman. Nous déjà remettre au ministère de la Justice 500 000 de formulaires. De 1er décembre à 21 décembre. Comme formulaire, ça, il n'y a pas capable de gagner, il faut compiler, il faut mettre dans le registre. Le registre, lui-même, l'a enregistré 400 formulaires. Il y a 100 pages, mais il y a 100 feuilles.
chaque page qui prend 2 moun. Donc là prend 100 fait multiplié par 4, là bon 400. Nous déjà remettre ministère de la justice 1140. Dans le moment que m'a parlé avant là, ministère de la justice connaît ministre là que 400 registres qui déjà prêt dans presse nationale. Ce qui signifie dans le moment m'a parlé avant là, nous déjà produit 1540 registres. Mais ministère de la justice gagne amène 1140. Et d'ici vendredi qui prochain, que j'avais dit, et m'a dit que vendredi, mais samedi, ou bien lundi, à cause de Noël, là, eh bien, entre jeudi et samedi, n'a plus livré que le ministère de la Justice près de 500 registres et 150 000 formulaires. Là, m'a dit 150 000 formulaires à 500 registres. Donc, c'est pour le ministère de la Justice, et lui-même, il fait travailler, et après ça, qu'on y a, gagné, en plus, avec archives. Là, nous prenons engagement parce que Jean-Président dit, et Jean, tout ministre dit en tout, directeur que général, il n'est pas normal pour payer ça. Le 1er janvier, pour le faire, 218e l'année, pour majorité frais actionnaire, il n'y a pas de papier qui identifie. Et là, le bon affaire de Jovenel Moïse, le bon affaire de Michel Martelly, le bon affaire de l'ancien président Telayo, sont affaires nation. Sont affaires pays. Ça, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de opposition qui la donne. Son action citoyenne, et faut citoyen ça, et bien, yo jeune papier, et particulièrement, frère avec son nous, qui vivent dans le monde, qui vivent à la campagne, yo pas qu'à vivre tant que bête, faut un papier qui identifie. Yo. Et m'a un gros bravo pour le président qui te prend engagement, ça, qui fait une grosse réunion, et bien, qui presque un mois, et travaillant, il commence à poursuivre. Et demander la population, surtout 1,4 million qui déjà gagné dans l'ONU, et bien pour l'ONU dégager le comme M. Jean-Jacques et pour les citoyens arriver à joindre 4 ans rapidement. On remercie tout le monde et on remercie tout le monde qui est dans la presse. Et je suis capable de dire ça, je suis en vie retourner parce que c'est métier qui depuis 30 ans. Mais la presse prend trop de travail, je ne pas souhaiter. Et c'est la presse qui blanchit mon âge. Parce que en vente de la donne, pas de blanchir mon âge, je suis en train de dire ah, et DGA. Ou puis quand il y a eu, non. C'est presque ça qui blanchit. C'est presque ça qui blanchit. Parce que mon guide qu'on aime, qu'on est assez blanc net. Et je pas ni noir si yo, je suis quitté comme ça. Ok, merci beaucoup. Bon, si nous t'as suivi toute intervention que faites là, yo, synthèse là en moins de 2 minutes, liba ou, un, que. Et. Gagne un problème de pièce d'identité dans le pays hein, qui posait sous environ 25% de la population. C'est ça le chiffre. C'est un problème national, c'est un problème extrêmement grave. Et par définition, si vous n'avez pas de pièce d'identité, vous voulez dire qu'on n'a pas existé. C'est ça la pièce d'identité, vous voulez dire. Parce que dans la pièce d'identité, vous mettez date ou fête, vous mettez gens non, vous mettez. Hein, etc. Donc, tout information. Donc, ou pas exister et à la logique, à la limite, vous êtes capable même de pas moun. Ce qui est très grave. Donc, exclusion sociale là commence depuis là. Donc, ou une société qui exclut 25% de moun. Et bizarre, c'est pas seulement moun en dehors. Vous avez dit d'entrée de jeu, et dans pile ministre qui dit là tout. Même moun qui a l'école, en pile foi. Moun ki éduqué, li pa konnen pou gon pièce d'identité sou li. C'est extrêmement grave dans la société. Et ça qui pire nous fait parfois, nous réussit pas si nous quitte pays sans pièce là et n'al ba problème l'autre bon dans l'autre pays. Ça extrêmement grave. Vous voyez que problème d'identité, hein, li pas seulement problème national, li vin tout parfois un problème transnational. OK? Donc ça c'est ça qui fait gon décision politique qui prend pour résoudre li, pour attaquer, pour trancher sous li. Et dans la décision politique, là, il prend récemment, le président décide, et il gagne, ça a un task force qui là pour coordonner, qui pour assurer suivi décision, hein, et qui est coiffé par le ministre Guy François. Le ministre Guy François n'a pas travaillé avec elle, parce que le travail, il dit, pas besoin qu'on soit abdim dans le ministre. Il va jouer. Il dit, pas besoin qu'on soit abdim. Donc, faites job. Donc, c'est, il coordonne assez bien. Et donc, on n'a pas le choix avec Guy François, il faut avancer. Et c'est ça que fait Matin après nous là. Nous avancer à l'intérieur du cadre défini
li défini différents axes, axes d'intervention, et en dans axes sa yo gagné communication. Donc nous-mêmes au niveau du ministère de la communication, nous ne coordonnons pas le programme, c'est le ministre Guy François qui coordonne. Le ministère de la culture et de la communication coordonne le plan de communication. Ce sont l'autre bagaille. Donc c'est un élément à l'intérieur de l'ensemble. Et nous avons notre plan qui est là, c'est le plan de communication. Ces plans, ça, je vous dis, pratiquement, nous devons présenter Baou et sous l'autre forme. Donc, nous profiter, mettre sous table à tout le monde, tout acteur qui est impliqué. Et d'ailleurs, c'est une recommandation hier soir, bien tard, jusqu'à 11h du soir, forme nous-mêmes, autant que le monde qui n'a jamais dormi. Et il fait recommandation ça parce qu'en réalité, maintenant, c'est communication seulement d'avoir le gain. Et puis finalement, on s'est entendu que c'est tout le monde qui l'a pour poser aux questions ouvrées. Donc, le ministère de la Culture coordonne ce plan qu'il a, qu'il a lancé jeudi, hein, et qui va durer de jeudi hein, jusqu'au 28 février. Donc la durée du plan, il va aller jusqu'au 28 février, donc nous avons une échéance devant nous qui est extrêmement bref. Nous avons le bureau du secrétaire qui accueillera toujours, comme il te dit, au présent et au futur, et la PD nous atterrit comme volet communication, hein, volet travail avec la presse, et quel que soit coin pour aller le plus loin, jusque dans les radios communautaires, faut que nous arrivions. Le ministre de la Justice, où elle est intervenue en pile sous volet droit citoyen au gagné, et il parlait de, il y a toute une machine, quel que soit coin dans le pays, hein, notamment les clercs. Ministre, madame, dis-nous ça clair, là, s'il vous plaît. Parce que presque pas de compte ça, je l'ai dit, je connais le dictionnaire clair là. Donc, une question bête, expliquez-nous ça clair, et qui rôle yo dans le processus pièce d'identité. Alors, je commence à poser des questions parce que je remplace la presse ce matin, et puis après, nous allons parler. Merci, ministre. Merci, collègue. Qui ça clair, là, lié? En dans yon bureau état civil, li genyen officier état civil. Li genyen clerc là. Clerc là, nous t'ava dit, c'est un coup en dans yon tribunal ou trouver greffier. Greffier là pour capable prendre note, pour capable consigner des déclarations. Dans sa relé primitif d'audience. Eh bien, clerc là, pour le capable recevoir les déclarations de naissance, soit de yon papa, soit de yon maman, soit de yon tierce personne, et puis, li transcrit li dans formulaire de naissance, non? Qui vine après la transcription, qui vini sa relé acte de naissance. Et travail clerc là pas fini là. Clerc là là puis capable enregistrer, transcrire et bien ces déclarations et bien dans ça relé registre de naissance. Registre de naissance là, nous t'avons dit c'est tout coup sont primitif lorsque greffier l'aller à l'audience, il recevoir les déclarations, les dépositions des témoins, des avocats, et puis au brouillon, et puis lui-même l'a transcrit dans sa relais primitif d'audience. Et bien, clerc là lui-même, lui recevoir déclaration yo dans un cahier, lui rempli formulaire de naissance, non, qui vient un acte de naissance, et puis lui transcrit lui dans registre pour que registre ça lui-même. Il fait un double yon rete nan archive tribunal de première instance nan, et yon expédié au ministère de la justice pour que le ministère de la justice lui-même li transfère registre nan archive nationale pour que archive nationale li capable délivrer sa relé extrait d'archive. Merci. Et donc ouais, c'est important pour nous gagner de savants, de experts, de monde qui préparé. Justement à droite moi là, gagner une référence qui est le Wilfried Bertrand. L'homme de gain 20 ans, la vie a bizarre, mal fait stage avec lui comme étudiant et puis je dis à moi ministre. C'était dans l'École nationale des arts, les archives nationales t'a développé extension deuxième archive Lille sorti poste marchand et puis là les bicentenaire. OK? Et le ça, vous avez à l'archive, à le faire stage.
et comme c'est à plastique moi t'ai fait aller peinturer décorer en dedans, on doit pas songer peinture. Mais Wilfried Bertrand ce jumba extrêmement important là, il dit pas gain aucun développement qui possible sous pas gain pièce d'identité. Pas gain aucun développement, il impossible. C'est dit impossible sous pas compte moun yo pour dire pour développer pour faire statistique et ou pas gagner un café. Et c'est pas seulement ça, gain un incident incroyable même sous sécurité nationale. Le moun yo pas identifié. Donc en ce sens, direction générale de Jean Wewa ou gain une décision politique ou gain les ministres et pour gain la direction générale qui eux même après des noms terribles oni ne se trouvait comment c'est eux même qui bon chiffre c'est pas sans raison après presse nationale vient avec tout chiffre. OK, eux même sur le terrain et sous béton hein. Et dans phase ça jodi en moun wè là c'est pas tout bientôt comme ministre François Sodi nous dans coulisses ou a gagner et conditions féminines ou a les secteurs des catégories qui concernés par identification en principe là il y a là. Et le secrétaire d'État va l'inviter. Nous connaissons pas toujours facile pour déplacer. SE, mais on met une locomotive qui est là, Kabedo. Okay. Et puis, gagner handicapé, tout le monde. Et parce que gagner tout secteur dans la société, il faut extrêmement vigilant. Lorsqu'on parle d'identification, nous sommes d'ici, nous n'avons pas identifié ou exclu. Donc, il faut veiller tout pour pas exclure une série de monde dans la société hein, que la société hein, déjà a un préjugé contre eux. Et c'est en ce sens que gagner de approche spéciale malheureusement pas connaissez comment on dit traiter qui sont handicapés là seconde explication comme ça secrétaire d'état madame Soinette Désir l'a bien pour le venir la semaine prochaine et donc là dans phase nouvelle là moi crois que sous une question c'est posé nous tous disponibles pour oui. Oui, nous avons quatre questions. Mais première question, et nous avons commencé là avec une question que nous jouons de diaspora, et spécialement la communauté Saint-Martin, qui m'a dit comment on monde pour être capable de gagner carte d'identification. Est-ce que c'est dans le consulat pour aller? Qui démarche pour le faire? Un haïtien qui est à l'étranger, qui a besoin de gagner carte d'identification nationale? Oui, dans le consulat là où ka aller, mais c'est un lancement que nous allons faire pour diaspora yo. C'est pas comme son bagage qui présent pendant n'a pas la vol là. Mais nous déjà lancé dans l'aéroport Haïti ya, le diaspora yo entré, nous gagne agent ONI qui pour recevoir diaspora yo. Si yo vini avec acte de naissance yo, parce que tout ça nous fait dans ONI c'est avec preuve. Donc obligé venir avec papier pour nous faire acte de naissance pour. Mais très bientôt, nous déjà dans commande et financier et des équipements pour nous aller dans la diaspora, dans le pays comme Saint-Martin, comme dit, et pour nous capables de remettre, pour enregistrer et remettre quatre dans le consulat. Alors, dernièrement, quand mon qui m'a dit de travailler, me dit bon, ok, pas de problème, j'ai donné des instructions pour le travail. Il a fait toute démarche pour lui, à la dernière minute, il n'y a pas un quatre. Donc, il perd du job là, peut-être ça. Et je vais poser DG en question. Si vous perdez acte de naissance, qui sont capables de faire? Bon, si vous perdez acte de naissance, ou soit cyclone, déchoucage, tout cause, ok? Incendie, souvent ça arrive, ou bien négligence, parfois par simple négligence, vous avez perdu Baptiste. Bon. Je commence par dire, si vous avez fait un extrait d'archives, je prends mon salaire avant, à partir de l'an 2000, vous avez fait un extrait d'archives. Bon, vous mettez couché sous deux oreilles, vous avez perdu tout ce qui est dans mon net. Vous apparaissez dans l'archive là, en deux minutes, vous avez fait un extrait. Maintenant, si vous n'avez pas fait un extrait d'archives du tout, et je toujours conseiller tout haïtien, même si vous n'avez pas besoin de faire le métier là, vous n'avez pas assuré que vous n'avez pas. Base de données dans le système. Tout le monde, je recommande tout le monde faire ça. Même si vous n'avez pas besoin, venez checker pour être là. C'est très important. Parce que nous connaissons un pile registre que nous pas gagner, nous pas recevoir. Ça, c'est un autre problème encore. Nous pas le travail avec le ministère de la Justice. Il y a un registre 1940 qui peut arriver dans l'archive. 1950 qui peut arriver dans l'archive. 60-70 qui peut arriver. Nous pouvons gagner. Yo. Donc, si vous voulez faire l'archive et que le registre pour la balle, je ne sais pas. Vous pouvez prendre une procédure judiciaire qui est parfois assez longue et coûteuse.
Donc, nous dit tout le monde, venez checker pour qu'on soit inside, soit dedans. C'est très important. Si vous venez, tout le problème, vous dites qu'on n'est pas là, il y a tout qui ça vous fait pour que vous soyez inside. Nous ne pouvons pas quitter personne dehors. Qui tout le monde qui tout le monde système, pas besoin qu'on ait, c'est pour tout le monde en dedans système. Nous ne pouvons pas tête nous au grand maximum des trois prochaines années pour que 80% haïtiens en dedans système. Et nous travaillons très fort pour ça. Nous prenons le libre ça. Gros ou libre ça, président Jovenel Banouan. Nous prenons gros ou libre ça pour que nous parlons non seulement de vin plus près, nous parlons développer réseau CRLDI, Centre de recherche de livraison de pièces d'identité. Nous avons à peu près 15 cas fonctionnés là. Mais pas oublier, l'objectif est de mettre une dans chaque section communale. Pour nous venir plus près, nous et qu'on assure nous même sur notre totalement Noël Cotoyea, et bien pour en dedans, afin de haïtien de Hewa, nous passons avec haïtien de dehors, tout le monde fait pour en dedans. Il y a deux ministres qui ont besoin de parler là, il y a un ministre justice là, il y a besoin de travailler sur corruption, c'est ça? Parce qu'on a tendance corruption, on va aller de tous côtés dans le pays. Il y a des gens qui disent dans l'État, il n'est pas dans l'État, il est dans toute société. Ok? Et le ministre justice là pour aborder là avec nous dans la question processus ça. Après ça, on a tout passé, ministre Guy François. Alors, en attendant, il a fini de démarrer. Ouais. Il y a un proverbe qui dit, mais un pile chat n'est pas loup. Si nous connaissons, on côté d'un couronnier, on ne peut pas parler de lui. Donc, maintenant, nous mettons l'ONI à l'honneur. Donc, DG, on doit nous. Il doit nous un petit coup pour ça, parce que on pourrait nous tous mettre ensemble et... Parce que nous tout à fait même travail là, qui c'est le travail d'identifier chaque citoyenne et chaque citoyen. Merci ministre. Nous devons dire tout le monde qui a assisté nous là, tout le monde qui a attendu nous en ligne, en télévision, que a fait corruption, gens que ministre culture se dit là, son bagage qui est national. Et nous-mêmes, en tant que représentants de l'État, du gouvernement au niveau de la justice, nous devons chercher pour nous capables de colmater une série de brèches, empêcher une série de bagailles. Fait. Au niveau de officiers d'État civil, de clercs qui dépendent directement du ministère de la Justice, de l'ONI également, l'ONI qui est un organe de tutelle. Le ministère de la Justice est un organe de tutelle pour l'ONI. Nous avons voyé mise en garde pour tout le monde. Un officier d'État civil, il n'a pas gagné et capable de réclamer un good. Non, mais personne dans le programme ça. Parce que l'État payer tout formulaire, tout registre. Il n'y a pas un officier d'État civil qui pourrait chercher à faire registre pour le dire que il n'y a pas un registre, il faut payer l'argent, puis capable de faire registre, puis capable de voyer dans l'archive nationale, puis transcrire à Kouyo. Pas un clerc qui peut recevoir, yon peni, non mais personne monde, parce que pour ce programme que le président mettait sur pied, eh bien, tous les clercs additionnels, eh bien, seront rémunérés. Et après, tout c'est clair, eh bien, il y a bien plus capable de nommer you comme clair et dans l'office d'État civil. Moi, voyez plusieurs lettres circulaires, bas commissaire du gouvernement, yo, pour que l'office d'État civil yo accompagne clair. Ce n'est pas clair qui peut aller jouer un officier d'état civil pour être capable de signer, mais c'est officier d'état civil qui a mis des bottes dans le pied, puis capable de rencontrer ONI avec clerc, puis être capable de signer registre, signer acte. Tout récemment, le directeur ONI en là, il est capable de témoigner que nous voyons correspondance pour lui, bien que lui dise déjà que le ministère de la Justice, eh bien, il entend révoquer, eh bien, tout moun qui en dans ONI qui t'ava prétendre
recevoir yon sou de yon moun qui vient chercher carte d'identification nationale li. Parce que tous les employés de l'ONI, eh bien, yon payé par l'État. Ça veut dire que, moi crois que, directeur général ONI, eh bien, li te affiché, eh bien, lettre circulaire ça, correspondant ça, eh bien, à toutes les portes de l'ONI et au niveau central et au niveau départemental pour que quatre yo parité souffri pour que moun yo même yo trouvé quatre yo normalement parce que si gen corruption si que il faut qu'on baille l'argent pour yo capable ba ou quatre toutes les fois qu'on pas baille l'argent on pas capable recevoir quatre et bien quatre yo a prêté gonflé là et l'a regardé et puis moun yo a découragé et puis bon yo pas gagné quatre qui pour capable identifier yo soit que les aller la banque soit que les aller l'hôpital et puis c'est problème. Et bien c'est tout ça que nous t'a dit au niveau de état civil. Non, rapidement sur intervention et DG archives avec ministre justice là. Nous devons que population comprenne très bien. Nous connaît grand pile citoyen, grand pile haïtien le al fait et leur arrivé devant officier d'état civil là font qu'à préciser est-ce que nous te gain baptiste déjà parce que ça très important parce que si n'aller nous dit nous pas gain baptiste bin te fait baptiste déjà son violation que lié mais que ou même et DG ko pote précision sur ça parce que l'homme on te perdu baptiste li kounya c'est extra licence besoin c'est ça oui. Ça important parce que j'aime te dire hein, m'pense son violation que moun nan fait baptiste en deuxième fois. Donc m'daimen que pour ton précision sur ça pour population. Merci. Oui bon. Ou citoyen parfait pour gain de baptiste. Son seul pour gain. Or nan système nou gen kounya la comme nou a automatisé système nan, ou pa gen ken chance gain de baptiste. D'ailleurs, de pour gain de baptiste, m'bloqué ou. Ou gen trois baptiste, m'bloqué ou pa gen rien du tout. C'est le premier baptiste qui a été fait, c'est lui-même qui va là. S'il y a un problème, la loi dit que chaque vous faites, ou qu'il y a un jugement de rectification, rectifier, ou corriger. Mon pas qu'il y a un fond l'autre. Quand vous avez dit que vous avez un baptiste, vous courez à un officiel, vous avez dit que vous avez un fond l'autre baptiste. Attention, quand vous avez 2, 3, 4, tout le monde sait, stop. De pour arriver à l'archive nationale, c'est fini. Nous avons trois problèmes à résoudre. Vous pouvez faire autant de déclarations qu'on fait. C'est autant de jugements pour aller payer pour annuler l'accès. Donc, ou pas d'intérêt du tout, sous qu'on devait gagner baptiste, même si vous êtes perdu, enfin, ils font l'autre vinage national. Parce que nous avons dit que nous avons seulement, avec date où vous êtes fait dans le monde à Gabou. Pas courir, ils font l'autre, c'est un chiffre qui vous faut, ils font l'autre acte. Tout en nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que à quoi pas dans l'archive, pas le faire l'autre. Il y a des gens qui veulent changer de maman, de papa, ils courent, ils font l'autre. Attention, nous, là, n'abtons-nous, de vous faire ça, n'abtons-nous. Ou pas, gen doua, gen deux baptistères, tout comme pas, gen doua, gen deux actes mariés, ou fin marié, ou marié une fois pour toutes. Ou pas, fin marié, pour vous marié, vous ça, oui. Moun nan, vous remarié, même moun nan, font leur deuxième mariage encore. Avec la même personne. Non, nous pas à tolérer, bah, comme ça. Son ou marié une fois pour toutes. Ok, si ma acte a un problème, la loi a une possibilité pour corriger. Faire toutes les erreurs que l'on a, ça veut dire matériel ou qu'à corriger. Mais surtout, pas le fond deuxième. Chaque acte, même si c'est divorce, adoption, reconnaissance, c'est sur un seul ou fait pour gagner. Ou pas fait pour gagner deux. Alors, bon pièce qui est le certificat de baptême, DG. Certificat de baptême. D'abord, expliquez mon nom, qui rôle et comment nous sommes capables de transformer. Ok, certificat de baptême, c'est. Ou bien on prêtre, ou bien on pasteur, et depuis la nouvelle loi, ou bien on gagne. Il y a une possibilité de faire un certificat de baptême pour nous. C'est une autorité sur le cas de l'ivoli. Mais faut-il bien, pour ce n'est pas l'église catholique, sur l'autre l'église, il faut toujours un ministère des cultes pour que les gens soient délivrés par là pour gagner autorisation pour le faire. Les gens qui improvisent le pasteur, et puis ils font un certificat de baptême. Il faut que les gens soient reconnus par le ministère des cultes. Assurez que le pasteur à l'église ça lui reconnaît avant ou à le certificat de baptême non même certificat de baptême non il pas qu'à remplacer acte de naissance il pas qu'à remplacer avec ses archives là mais il qu'à aider yo joindre baptiste au bout parce que exactement
C'est ça. Certificat là, dans la date ou fait, il va être date ou baptisé. Donc, on doit chercher dans l'espace à vous. On doit faire en 1950, okay, ou baptisé en 1952, ou bien plus tard, il faut me chercher dans tout accès à vous, on va me voir négatif là. On ne peut pas courir presser bon négatif comme ça, parce que là, il faut me chercher, et c'est ça que fait, qu'on y a numérisé le registre, pour que, en général, les gens qui datent les fêtes, mais pas qui les datent à déclarer. L'homme numérisé le registre, qu'on y a toutes données ça dans même, même si vous ne pouvez pas qui leur à côté déclarer, de vous les ou fait qu'on d'abord, normalement, m'a joué à là. Donc, n'a accompagné tout le processus, ça m'a dit nous là, pour faciliter la tâche, pour que les citoyens, son pièce extrêmement importante qui est dans la ville, leur besoin, c'est en quelques minutes, faites pour le joindre. Vous faites l'autre bord, n'a félicite tout. Yes. Paul. Question. Journaliste, question. Question. Pour poser la question. Caraïbes. Bonjour, c'est Magerson Félicitain, journaliste du Caraïbes. Ma vie m'a donné chaque qu'il est, cahier qui enregistré acte naissance, aller dans l'archive. Si on moun font acte kounya là, qu'il est la ka joine extrait d'archive. Il y a deux moun qui répondent. On est juste ça pour commencer. Merci. Il y a, pour question ça, il y a deux éléments de réponse. Moi-même, j'ai le premier élément de réponse. Hein. Et qui date que lorsque vous avez fait un transcrit naissance ça dans le registre, que vous êtes capable de trouver un extrait d'archives? Eh bien, c'est dans le code civil là, qui dit que, mais qui l'heure que le registre doit arriver dans le ministère de la justice, c'est au mois de février de chaque année, eh bien, le parquet de chaque tribunal de première instance yo doit voyer registre ça yo dans le ministère de la justice pour que le ministère de la justice lui-même li capable voyer yo dans l'archive nationale. Pour cela, récemment, nous voyons une lettre circulaire à tous les commissaires du gouvernement des 18 juridictions pour que vous déposiez tout registre de 2000 jusqu'à 2019 dans le ministère de la Justice pour que le registre soit acheminé aux archives nationales. Si ça n'est pas fait, eh bien, il y a encourir une sanction. C'est comme ça, ça y est. Moi-même, m'admet, m'entendre que tous les officiers d'état civil ont déposé les registres à temps dans le parquet et le parquet lui-même puis capable d'expédier à temps tout au ministère de la Justice et le ministère de la Justice pour être capable de transférer à temps aux archives nationales pour que tout le monde qui a besoin d'un extrait d'archives soit capable de trouver sans difficulté. Bon, ministre Claire, ministre répond à une question. Alors ça, c'est théorie. Moi, je vais répondre côté pratique là. Côté pratique là, sa ministre a dit, officier, pif à officier, pas respecté. Donc, alors, yo vient avec un alibi, m'blé dit son alibi, lié, bon, son forme d'alibi. Lié. Yo dit que yo pas gen registre, yo pas gen formulaire. Alors, c'est ça que fait profiter de l'occasion. Puisque nous disons nous besoin résoudre le problème, non? Nous ne pouvons pas le faire uniquement pour le programme président lancé. Je dis à moi, dis, oh, et fort ministère de la Justice, il faut inscrire production formulaire et production registre dans le budget ministère de la Justice. Son rubrique liée, il faut l'alimenter chaque année. De telle sorte que l'officier pape jamais manqué registre à aucun moment. Il va venir aucun alibi, aucun prétexte pour ne pas avoir registre à venir. Et deuxième problème qu'on pose, c'est le problème clair là. Nous connaissons le problème clair là définitivement à résoudre là. Non seulement pour payer ça, mais de façon définitive. Pour chaque section communale qu'on clair. Depuis que nous avons registre, nous avons clair, nous avons formulaire, à ce moment-là, pas de problème encore du tout. Officiellement, on n'a aucune excuse pour ne pas remettre
et registre dans le délai légal. Oui, question Radio Nationale. Bonjour, Wout Samir Zépayen pour la Radio Nationale d'Haïti. Moi, j'ai deux questions. Première question, c'est concernant la date 26 et 27 là. Est-ce que le SAO n'a seulement fait livraison ou bien au monde qui a besoin de faire pièce litou, est capable de faire la date ça? Et deuxième question, c'est concernant baptistère. Donc, nous disons qu'un monde pas capable de gagner deux baptistères. Qui ça n'a fait dans le cadre où un monde qui gagne li perdu, mais il voulait changer un bagage là-dedans, il n'y a pas gagné pour le changer. Donc, nous disons pas qu'il y a gagné deux baptistères, c'est un extrait pour le capable de gagner. Moi, je crois que pour question ça, la dernière question, DG, Archive nationale là, il répond déjà. Il y a un monde qui n'a pas gagné un baptistère, mais qui a gagné déjà, il a perdu, soit par incendie, soit par inondation, ou bien par désastre naturel. Eh bien, il est capable toujours, eh bien, faire une demande, eh bien, aux archives nationales pour capable, ouais, est-ce que il transcrit ou bien est-ce que il pas transcrit. Si que il transcrit, il y a bali un extrait d'archives nationales. Si que il pas transcrit, il y a bali un négatif qui pour capable permettre lui aller faire un jugement. Il gagne un autre bagaille. Ça m'a dit. Je dois dire ça déjà que je ne pas dire. Et que numérisation qui pourrait gagner, carte d'identification nationale que chaque Haïtien pourrait gagner, eh bien, la couper souffle à une série de racketeurs, une série d'actes de corruption que, qui affichaient que la population, un paquet de monde dans la population, voulait légaliser et que nous-mêmes nous entendre emboîter le pas et bien dans corruption ça yo dans acte de corruption ça yo parce que une série de monde qui réfléchit qui pap une série de monde qui pap travaille mais yo chita la kayo en sous cabane yo y a réfléchi coup qui coup y a réfléchi puis yo bay y a gardé moun qui bon côté yo soit qui au bord de leur tombeau puis au capable faire yon baptiste sous patronyme moun sa pour que les moun sa mouri puis au capable venir dans succession puis au dit que yon même c'est petit moun sa qui t'est mouri il gagne ça en pile et m'a dit nous Joué DG Bertrand a parlé de l'état civil là moi même moi connais tout parce que moi même moi été greffier tribunal civil. Gon série de moun, insécurité foncière que président ap combat, que gouvernement ap combat, eh bien nous trouver sous insécurité foncière nan sa orele acte de naissance nan sa orele baptistère. Il y a des moun qui prend plaisir pour yo gagne 5 baptistère, 5 acte de naissance. Yo connaît pour qui? Gagne des moun, eh bien si immigration pas gagner un système qui déjà établi et bien yo t'a gagner même 4 ou bien 5 passeports et bien programme ça que président vini ensemble avec là et bien l'a coupé souffle à une série d'actes de corruption et que moi même qui à la tête ministère de la justice qui gagne commissaire du gouvernement qui gagne officier état civil qui gagne clerc il faut que nous mettez tête nous ensemble il faut que nous mettez nous en cap pour que avec archive nationale pour que les gens vini ou te gagne baptistère et bien sûr te relo Jacques Monpoint ou pas ka vinn Jacques Joseph Konya yo te relo Jacques Monpoint ou pas ka Joseph Monpoint Konya ou a toujours gagné yon seul nom quel que soit côté ou passé quel que soit dans bureau d'état civil là qu'on passé. Alors première question c'était est-ce que Jouan a gagne livraison avec tout enregistrement pour 26 et 27 réponse là c'est chaque jour, alors c'est Onyx qui doit répondre, n'a pas répondu parce que on commence fort qu'on y a dans là. Chaque jour, gain enregistrement dans Onyx. C'est-à-dire quel que soit jour, on met dans Onyx gain enregistrement. Pas vrai? Mais ça nous t'ai remarqué, que Onyx gain dans même saute d'où ça 1,4 million dans mail. Il pas baillo. Donc nous il pas baillo. Nous pas connait pour qui ça le pas fait. Qu'on y a un jour mal dans Onyx. On t'a fait 4 points, forme d'où il pas facile du tout. Nous connaissons le service public en Haïti, pas facile. C'est toujours moun pas.
moun nan l'autre bord après le fort gen moun pa. Et moi ouais trois policiers rivés, yo di yo te fait quatre yo Pétionville. Yo ta remè konnen ki côté y a joine quatre là. Dit déjà mais c'est pas possible. Faut nous bay moun yo un espace transparent ouvert côté tout ou ka ça dans tout pays hein. Moun yo besoin konnen quatre tout effet Delma à côté y a joine ni, quatre tout effet Pétionville à côté y a joine ni, quatre tout effet Marouge à côté y a joine ni. Déjà plutôt répondre une question. Eh bien, ok, on va me répondre à la question d'abord de 26-27 là. 26-27 là, son stratégie nous met en place pour seulement livraison, au samedi, dimanche, que nous mettons en place environ 500 employés qui ont juste remettre 4 yo, parce que nous avons 1 million 4 que nous voulons bailler à la population pour être capable de régler l'affaire dans le jour après. Mais le jour après, avant tout, nous toujours ouverts. Tout bureau, on est toujours ouvert. Pour ni enregistrement ni livraison et nous devons une série de mobiles que nous faisons dans toute section communale et à travers et métropolitaine nous avons un paquet d'institutions que nous bail service et mobile ça. Mais cependant comme ministre t'a dit et nous pas répondre nous remettre quand yo mais quand on te fait là c'est simplement ça ou t'as Pétionville ou enregistrer là. Le même premier cas là, c'est Pétionville, vous voyez. Donc, ou même, vous mettez retour à Pétionville, allemand de côté 4 là, si vous dites, vous n'avez pas qu'à joindre, relève l'indoléance là, 88-22, et puis pour l'opérateur, aidez-vous pour dire ça qui passe avec 4 là, et qui côté 4 là est exactement dans Pétionville là, ou bien peut-être vous bloquez nos vérifications pour un bon service pour nous débloquer, pour nous capables de joindre un service là. Donc, côté où vous enregistrez là, c'est là que vous récupérez quatre là. Et pas oublier, son service gratis, ni enregistrement, ni livraison. Yes. Merci. Ah ben nous dit déjà merci. Et à tout seigneur, tout honneur, parce que c'est Guy François qui est coordonnateur et tout ce qu'il a fait là. Donc nous sommes fiers pour travailler avec lui. Donc nous dit pour faire closing là, pour nous. Par contre, après, SE a remercié. Non, SE là, car oui. Ou ap vin remercier ministre qui déplacé DGO et toute la presse qui l'a. Merci un peu. Une dernière Paul, question. Oui, oui, une dernière question vous voyez ba nous là. Et il y a des monde qui connaît que dans côté yo te fait livraison, il y a une série de bio qui te saboté et tant que yo fait cas de Delmar, c'est de l'autre côté et Champ de Mars, yo dit que il y a des monde qui était Champ de Mars et yo croit que tu gagne des points Delmar Boudon et qui ça qu'a fait exactement pour capable récupérer quatre ça. Ok, nous avons Delma, Boudon, nous avons Torbeck, nous avons Ocap, nous avons plusieurs côtés qui ont été sabotés, espace là, côté de mettre du feu et puis nous perdu en pile cote. Mais cependant, cote que nous avons récupéré, nous sommes capables de faire appel pour nous dire, yo, mais qui côté pour aller prendre cote ça? Nous pas Delma encore, l'office n'a pas opéré, mais nous avons un mobile dans Delma 75, par exemple, dans le lycée Oasis, côté yo capable de prendre carte là. Donc appel là fait à vos citoyens qui dit aller spécifiquement aller là à prendre carte là. Nous fait ça dans la délégation canapé vert là pour carte qui était dans Boudon yo. Donc actuellement pas la voilà là nous avons récupéré une affaire de 22 000 cartes qui était dans Delma là que ça t'est arrivé. Actuellement qu'on y a nous gagne 9 000 qui était et qui continue à faire appel. Avec service SMS nous fait mettre en place là qu'on y a nous bral voyer SMS by Mounsayo. Quatre pour qui gagne quatre que nous gagnons en nous. Pour nous dire, mais qui côté pour y aller, n'a pas établi un côté centre de livraison, même je nous te gagne un boudon. Côté nous avons dit, ok, allez dans ce centre ça, mais qui côté quatre là y pour le récupérer. Donc, environ de 50 000 quatre qui te gagne entre boudon avec Delma, nous gagnons à peu près 16 000 qui étaient que nous avons passé dans le centre de livraison. Yo. Avant de faire le ministre Guy François faire le closing, je dis tout le monde qui connaît ou qui fait carte, des gens autorisés nous disent ça, mobiliser ou préparer. Ok? Tant. Parce que journée sensibilisation, hein, journée livraison, c'est ça lié. C'est disposition nous-mêmes au niveau du service public que nous mettons là pour que ou qu'on ait fait carte pour une bonne explication quand on prend prendre carte là et qui gens pour faire vous jeune carte là et s'il le faut jouer en même pour tout recevoir c'est ça journée en veut dire c'est bonne journée abstrait c'est bonne journée en l'air lié son journée d'atterrissage que gain 1 million 4 si nous baille tout 1 million nous baille tout joie
OK, donc c'est ça on a besoin de dire. Maintenant si gagne un ministre ou bien un DG qui veut dire un dernier mot avant Guy François qui s'est mettre d'œuvre là, ministre justice ou pas gagner, pas aucun DG qui voulait dire rien. Voilà, donc à ce moment-là closing. Merci collègue ministre, merci à ministre justice et tout directeur général secrétaire d'état, même la presse, tout cadre qui a aidé dans la coordination ça. J'aime t'a dit tout à l'heure, 25 novembre à nos jours, nous avons presque 4 semaines depuis notre travail. L'équipe de travail, nous travaillons, nous avons un groupe permanent. C'est la permanence que nous déclarons. Et Jean DG Bertrand t'a dit tout à l'heure, ce n'est pas en question de Guy François ou bien de DG Bertrand, de président Jovenel, c'est un bagage national. Il faut tout le monde mettre main. Et on monde, Jean DG on t'a dit tout à l'heure, pour moi, c'est inacceptable. On monde entrer ou mettre du feu. Pour affaire identité au monde. Et je pense que le ministre de justice, il faut des mesures qui pour prendre pour le monde. Parce que c'est inacceptable. Parce que les affaires identité, je me dis, le monde qui boule a une identité déjà. Donc, quitter 25% pour que les jeunes prennent identité. Et encore une fois, ma première, c'est tout le monde. Et je pense que le point de pression, il y a fait. Chaque semaine, nous parlons de différentes entités, comme le ministère des conditions féminines, nous avons le secteur handicapé, le ministre haïtien vivant à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères et des cultes. J'aimerais dire que c'est tout secteur qui est concerné dans les affaires d'identification. Et encore une fois, merci. Et DG, tu as parlé de système SMS. Commencez à garder le téléphone. Nous. 1 million de monde qui peut rejoindre 4 nous, commencez à garder le téléphone nous, parce que nous avons besoin de message qui peut dire nous qui côté pour nous chercher 4 nous. Et demander DG à clairement, les gens tout, leur aller, faut garder même j'ai avec l'élection, faut lire que non le figurer. Ce n'est pas agent pour dire, faut garder la liste sinon là, pour qu'on ait 6 4 là. Parce que si vous avez un SMS là, et pour non la liste là, agent pas de 4 là, le ça n'a pas dénoncé opérateur ça, il faut gagner des sanctions qui prennent contre opérateur ça. Encore une fois, merci. Merci à ministre et Pradel Henriques, secrétaire d'État, DG Communication, tout membre de la presse qui est venu, tout collègue, tout DG qui travaille pour servir le pays. Merci. Je vais simplement dire, gagner directeur général du ministère de la Culture qui l'a, que nous pas signalé qui ensemble avec nous donc il y a 5 DG 3 ministres secrétaire d'état un DAJ tout en direction importante le ministère de la justice qui était avec nous et des cadres de ensemble institutions qui étaient répondent pour lancer officiellement campagne nationale d'identification. Merci tout le monde, c'est un plaisir.